tous. Alors pour démarrer ce 86e Salon de Genève, nous sommes dans le nouveau SUV d'Audi, le Q2. À première vue, c'est vraiment une Audi A1 surgonflée. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à contempler ici. C'est parti! Chose promise, chose due, Audi a décliné son A4 dans une version 4 roues motrices. L'Audi A4 All-Road Quattro a évidemment une garde au sol relevée. Elle a aussi un moteur TFSI de 252 chevaux et un groupe moteur TDI de 150 à 272 chevaux. Des moteurs plutôt performants pour cette gamme. D'ailleurs, en parlant puissance, on vous laisse découvrir les autres nouveautés d'Audi. Sur le stand Seat, on ne peut pas se tromper, il n'y a que leur nouveauté, la Seat ATK, leur premier SUV compact. Alors nous sommes à l'intérieur et on peut dire qu'à première vue, il est plutôt fonctionnel. Pas trop de boutons, assez simple, assez sobre, l'écran 7 pouces, c'est la norme. On a ici un chargeur de smartphone par induction. Alors, il est très incliné, c'est dommage parce que si on veut mettre d'autres choses pour ranger, tout va aller au fond. Au niveau des plastiques, on est sur quelque chose de très dur. Au niveau des plastiques, on est sur quelque chose de relativement correct. Une qualité, je dirais, ni bonne ni mauvaise. C'est bien. Voilà, c'est tout.